Bonjour, certains me connaissent déjà sous le nom de Steph de Nidilus, donc je suis illustratrice de la marque. Aujourd'hui, je me mets à découvrir, je fais des petites vidéos pour partager avec vous ma passion du dessin. Je remercie de passage, au passage Esther qui a participé activement au projet. Alors, quel projet? Donc, c'est d'apprendre à dessiner facilement par des formes, voilà, des ronds, des rectangles, on pose des bases. On fait notre dessin, ce sera assez facile. Je vais faire, enfin, il y aura quand même des bases pour vous aider à dessiner. Je destine ces vidéos, alors c'est un petit peu particulier, mais plutôt aux parents, tout simplement parce que j'ai une amie, Hélène, qui est prof d'anglais, qui m'a dit t'en as de la chance de pouvoir dessiner. Moi, je suis une quiche en dessin. Bon, entre parenthèses, moi je suis en anglais, hein, mais bon, chacun son truc. Donc je suis une quiche en dessin et j'aimerais bien pouvoir dessiner comme toi, apprendre à mes enfants. C'est vrai que c'est un moment créatif et convivial, il se passe quelque chose. Voilà, puis quand votre enfant arrive et vous dit « bah dessine-moi ci, dessine-moi ça, s'il te plaît, bon bah je sais pas faire », bon, et ben je vais vous montrer les bases, j'espère que ça vous aidera. Vous, en tant que parent, vous pourrez transmettre ce savoir à vos enfants. Et puis si vos enfants sont assez grands, évidemment, c'est aussi pour vous les loulous, si vous voulez regarder directement les vidéos. Voilà, parents, enfants, c'est adressé à tout le monde, mais la spéciale dédicace quand même à ma copine Hélène, parce que c'était de base pour... voilà, le projet, c'était spécialement parti de cette idée. Et puis j'ai pu aussi tester... voilà, dans une école maternelle aussi, j'ai été donné un cours de dessin en période de Noël. Donc c'était assez rigolo de voir les résultats des enfants, donc grande section de maternelle. Je voulais vous dire aussi que voilà, c'est pas des règles de dessin à tenir, évidemment. Quand on voit nos enfants qui font des petits têtards, des bonhommes têtards, c'est tellement mignon, faut les laisser s'exprimer. S'ils ont envie de faire une girafe qui a un cou qui part dans tous les sens, c'est original. Voilà, donc c'était vraiment c'est subjectif l'art, et il n'y a pas de règles à tenir, mais j'espère que ça vous aidera. Et ne pas vous dire que le dessin, ah bah c'est du talent, c'est de la chance. Le dessin, c'est surtout aimer le dessin, être passionné et travailler. Et plus on a envie, plus on aime, plus on est passionné, plus on va travailler. Et c'est comme ça, en travaillant, qu'on s'améliore. Donc j'ai envie de dire, c'est donné à tout le monde, quasiment tout le monde, de pouvoir bien dessiner. C'est juste que ça doit être régulier. C'est comme la musique, c'est comme l'anglais, que je devrais un peu plus travailler. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis bah, c'est parti, on va commencer par dessine-moi un mouton. Quelle originalité, petit prince. Alors c'est parti pour le mouton. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre d'abord un crayon papier pour apprendre les bases. Ensuite, ça viendra tout seul, vous ferez tout au stylo. Donc je vais voir déjà si ça passe bien. Alors on va faire tout simplement, on va faire un rectangle un peu arrondi. Donc, vous voyez, mon rectangle n'est pas très rectangulaire, mais voilà. À côté de ça, on va lui mettre un ovale assez gros quand même. Hop, voilà. Donc on fait le petit rectangle, voilà, au bord arrondi, ou peu importe, on verra, vous allez voir par la suite, pas forcément besoin. L'ovale, on l'accroche bien ici, hein, ça va être la tête. Donc il faut qu'il fasse à peu près la même longueur que le corps. Ça, ce sera le corps. Hop. On descend, on lui met ses petites pattes. Donc là, on a positionné la structure, l'anatomie, à peu près les formes du mouton. Et on va rajouter. Donc là, je prends un feutre noir. Donc ça pourrait être par la suite, à force de l'avoir fait dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de refaire les traits de construction par la suite. Mais au début, voilà ça. Voilà, mon mouton. Mais il n'est pas encore fini. Donc là, on part sur donc, le mouton. On va lui faire, voilà, comme un petit nuage, des petites bouclettes. Hop, vous pouvez même rajouter...
tous deux le bouton. Voilà. Alors, au niveau de la tête, voilà, on va lui mettre son œil. Donc, c'est à peu près, on va dire, si on est à la moitié ici, il va se trouver à peu près là, entre les deux, quoi. Hop. Voilà. Son petit nez, alors justement, quand on est arrivé, hop, il arrive bien là, le nez. Donc, vous voyez, par rapport au milieu de l'ovale, on arrive ici sur le nez. Il faut lui faire, hop, une petite pointe comme ça. Et son petit sourire. Ici, alors, il lui faut des oreilles à ce mouton. Donc, on va lui faire... alors, en général, on peut repartir hein, comme ça pour les petites oreilles. Et puis... la petite laine au-dessus, voilà. Et l'autre oreille derrière, qu'on ne voit pas, mais qui peut ressortir. Et puis, on peut lui faire des petits sourcils pour lui donner... on rajoute quelques traits, il a l'air sympa. Et puis, les petites... les petites pattes. Alors, on pouvait faire des petites pattes, enfin, des plus petites pattes. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Et puis, la petite queue. Qui ressort. Donc voilà le petit mouton. Donc je disais, plus c'est petit, plus c'est mignon. Hein. C'est pareil, si je fais un autre petit mouton. Hop. Hop. Il peut être tout petit avec des toutes petites pattes. La petite queue. Voilà, on peut imaginer. Et dans la plaine ou les montagnes. Comme en Islande. Alors oui, vous avez jamais vu peut-être les moutons d'Islande. Ils sont magnifiques. Ils ont des poils. Hein. C'est assez énorme. C'est magnifique à voir. Et puis on va faire un mouton de face, peut-être, au moins la tête. Alors c'est pareil, on fait l'ovale. Hop, ça c'est le milieu. Le milieu du milieu. Et on va lui faire ses petits yeux. Alors son petit nez d'abord. Les yeux, je les place bien au milieu. Hop. Alors, pour les oreilles. Hop. On va lui mettre un petit peu de laine. Voilà. Je repasse sur mes traits de construction. Et puis bon, on va lui mettre hop, son corps. Alors là, je suis partie un peu sans vous faire les traits de construction. Je ne pensais pas que j'allais le faire en entier, mais tiens, hop. Donc, si j'avais repris les traits de construction de celui-ci, donc on est sur l'ovale, hop. On refait un autre rond derrière, c'est le corps. Rond, toujours pas très rond. Et les petites pattes qui vont être... on va le prendre par le milieu, voilà. Le milieu du rond. Une de ce côté-là, une de ce côté-là. Plus ou moins grandes les pattes, comme vous voulez. Et les petites oreilles qui arrivent à peu près ici. Voilà, parce que j'étais un peu vite et les yeux ici. Et bien le nez. Ici. Voilà, voilà pour cette première leçon. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questions surtout, et puis refaites-le au fur et à mesure. Et voilà, vous savez faire un petit mouton. Donc la prochaine fois que votre enfant vous dit dessine-moi un mouton, vous pourrez lui montrer comment dessiner un petit mouton. À bientôt.
Maman, maman, mais ton mouton, il a que deux pattes. Oups. Bon, eh ben, on va lui rajouter ses pattes arrière. Hein, parce que... voilà, et puis celle-là, bon, on les voit pas trop. Mais elles sont là. Hop.